Alors aujourd'hui, il faut regarder l'océan un petit peu différemment. Nous avons tous un lien qui nous est propre avec lui, un lien affectif, un lien personnel, un lien qui est rempli d'émotions. Mais on oublie souvent en fait le lien vital qui nous relie à l'océan. Donc ça fait partie des missions de la Fondation, d'abord d'explorer cet océan pour mieux le comprendre, tout simplement, pour pouvoir mieux le préserver. Mais on essaye aussi d'apporter un nouveau récit, en fait, de le raconter différemment. On s'appuie sur des discussions avec des philosophes, avec les scientifiques, avec des artistes, pour pouvoir construire ensemble ce nouveau récit de l'océan. Donc, il y a toujours une occupation du littoral hein, depuis très très longtemps. Il y a eu donc des accélérations. Alors, si je me situe en Europe, hein, tout remonte à peu près au XVIIIe siècle avec le début de la colonisation, la création des grands ports hein, qui vont permettre le commerce triangulaire ou le commerce des épices, etc. Et puis ensuite, au XIXe siècle, eh bien, la colonisation devient une colonisation de peuplement. Et à ce moment-là, on va avoir d'autres ports qui vont être construits dans les pays colonisés, hein, qui vont devenir des villes, donc Dakar, Abidjan. Et puis, au XIXe siècle, eh bien, on va également avoir, un développement des activités littorales en dehors des grands ports et des grandes villes, grâce au progrès, avec le chemin de fer, la boîte de conserve, hein, qui vont permettre donc à la fois le développement d'une pêche qui va exporter en fait ses sardines, son thon, la morue, et puis d'autre part, eh bien l'essor de régions agricoles qui vont pouvoir exporter des primeurs. Et donc on a là vraiment une littoralisation qui se développe et qui devienne continue. Et puis tout ceci est redynamisé par un nouveau cycle, c'est l'arrivée des touristes. Fin du 18e, surtout au 19e siècle, en fait, on a la création des stations touristiques, hein, des premières stations bourgeoises. Et ces stations touristiques qui, au départ, abritent peu de monde, eh bien, deviennent petit à petit de véritables villes. Ensuite, dans les années 70, eh bien, les littoraux vont devenir également le support de la mondialisation. Avec l'augmentation, l'agrandissement vraiment spectaculaire des très grands ports qui deviennent les portes d'entrée, donc c'est Rotterdam, Anvers, Dunkerque, Fos-sur-Mer pour nous en Europe. Mais c'est bien sûr bien plus tard, dans les années 90, tous les ports de la rangée chinoise, hein, de Shanghai, Qingdao, etc. Dans la même période, eh bien, c'est le développement du tourisme de masse qui va générer donc la création de grandes stations balnéaires, souvent construites ex nihilo dans des endroits où il n'y avait rien. Et puis, années 90, eh bien, ce sont les villes littorales qui étaient un peu endormies, qui vont devenir des pôles tertiaires de haut niveau avec des universités, avec des centres de recherche comme par exemple à Brest, et qui donc vont tout d'un coup entamer un nouveau cycle du littoral autour de la recherche, de l'innovation. Notre lien à l'océan existe depuis toujours. Les sociétés se sont organisées le long des rivières, le long des fleuves, le long du littoral. Donc encore aujourd'hui, l'océan influence énormément la façon dont nous vivons.